Alors votre parole est attendue parce que peut-être que grâce à vous, le gouvernement va faire passer des lois dans les prochaines semaines, on va voir. On va commencer, tiens, par la loi locataire-squatteur. Finalement, c'était un peu votre idée, donc vous pourriez la voter, cette loi de la majorité. Oui, je pense qu'on a votre bout du compte. C'est plus qu'un peu notre idée, c'est notre texte qui a été assez largement plagié par la majorité. Texte que la majorité a combattu pendant 5 ans, ça fait 5 ans qu'on déposait ce texte. Et donc, bah, je rappelle que ça permet effectivement d'apporter plus de garanties aux propriétaires. Aux propriétaires, de faire en sorte, c'est vrai que les peines les peines d'amende étaient 3 fois plus fortes pour le propriétaire qui essayait de récupérer son bien, ne serait-ce qu'en changeant la serrure, par exemple, que pour le squatteur. C'est un peu paradoxal. Et puis, évidemment, on veut des procédures judiciaires beaucoup plus rapides pour qu'un propriétaire puisse récupérer son bien. Voilà, on veut aussi, d'ailleurs, protéger le propriétaire. C'est-à-dire quand le propriétaire est squatté, qu'en plus, il ne se retrouve pas responsable si le squatteur prend un bout du toit qui s'écroule, par exemple, qu'il ne puisse pas poursuivre le propriétaire. Donc voilà, je pense qu'on va arriver... Enfin, j'espère qu'on arrivera à un accord au terme de ce texte. Donc vous voterez avec la majorité présidentielle? Oui, oui. Bah, écoutez, quand la majorité prend nos textes, fait de la flibusterie, on serait quand même mauvais joueur de ne pas les voter.